On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Prenez et partez. Pardon ? T'as pas donné à la bonne personne. Ah merde. J'ai cru mal entendre, je crois que je vais devoir me laver les oreilles, sa poterie. J'hallucine, j'hallucine, putain de merde. J'hallucine. Attendez quoi ? Attendez, deux spi, wesh. Putain. Deux spi, mais je comprends pas du tout votre langage. C'est un membre des forces de l'ordre ou un rigolo de cirque que vous avez c'est dans vos effectifs ? C'est un stagiaire, monsieur Apotré. Écoutez-moi, monsieur S'il Apotré. S'il vous plaît, veuillez venez attendre patiemment la con de ta race. Pardon, vous me le mettez à pied immédiatement. Vous avez 30 secondes pour me le mettre à pied et me le dégager d'ici. Agent Billy, vous êtes mis à pied. Sortez. Non, retirez la plaque et les équipements. Allez, ça dégage, celle-là. Au suivant. Allô, vestiaire, vous changez, Billy. Et prenez votre billet. J'en ai pas un stable ici, monsieur Billy. Ah, mais je l'ai tenez votre argent. Agent Billy, allez. Non, mais c'est pas pour lui, lui. Oui, commandant. Oui, commandant. Mais revenez ici hors tenue. Dépêchez-vous. J'ai pas compris, en fait. Il s'est fait virer la merde. Allez, amène-moi. Ok. Pourquoi tu t'es fait virer? T'as fait quoi comme bêtise? En fait, j'ai dit la con de ta race et j'ai essayé de corrompre quelqu'un du gouvernement. C'est pour trois fois rien, moi. Pourquoi t'as essayé de corrompre un gars du gouvernement alors que t'es flic? J'ai fait tomber mon billet par terre, tout simplement, il l'a ramassé. Ah, t'as essayé de piston pour monter de grade. Ouais, mais fais pas trop de malin avec moi, s'il te plaît. T'es une merde. Bon, j'allais me changer, je suis viré. Regarde-le comment il est dégoûté. Putain de merde. Wesh, commandant, vous êtes un bâtard. Oh, commandant, attendez, je vais me changer là. Écoutez-moi. Ouais. Mettez-vous en civil. Là, il y a deux agents du gouvernement, vous les avez insultés, je suis obligé de vous mettre à pied. Mais gardez la tête haute pour le moment. Mais c'est rien, écoutez. Suivez-moi. C'est temporaire, c'est juste devant eux. Donc venez, d'accord, excusez-vous et pleurez parce que vous venez de perdre votre métier. D'accord. Dépêchez. Commandant, venez, qu'on soit d'accord, j'ai fait tomber ce billet. Et voilà. Je suis viré. Et ben voilà! On fait le caïd, on montre les gros bras et puis après on pleure, c'est toujours pareil. Regarde le sapin. Regarde-le. Arrêtez de rigoler, bande de bâtards. Voilà, la matraque est un objet. Oui, c'est rigolo. En effet, c'est rigolo. Très bien. Fais pitié quand même, mais bon, c'est la vie. Pardon, mais c'est pour respecter les supérieurs. C'est pas comme ça que vous allez réussir, monsieur. Écoutez-moi. Excusez-vous, voilà, il se prosterne devant vous pour s'excuser. Je crois bien que c'est le destin, mon pote. Donc le destin d'être viré. Vous êtes content? Non, je recommencerai plus jamais. C'est pistolet. C'est pas des tirs. Qu'est-ce que vous recommencerez plus? De faire tomber des billets. Convainquez-nous, putain. Convainquez-nous. Soyez convaincants. Attends, relevez la tête déjà, agent. D'accord. Un peu de tenue déjà, d'accord? Voilà, et parlez avec les méchants. Ok. Tu garances, soit c'est la fin, c'est à votre point. Depuis t'es chez moi là, ok? Allez, qui parlez-vous? Je parle à mon commandant, bien sûr. Non, il parlait à personne. Ouais. C'est une blague! L'élocution de cet homme est exécrable! Va falloir faire un effort sur votre langage également, monsieur Bidigone. Non, mais si je veux, je sais mieux parler que vous, en fait. Eh ben, vous utilisez des mots appropriés. Pas de fils de pute ou d'autre à un supérieur dans les forces de l'ordre, normalement. J'écoute radio. J'ai dit fils de flûte, mais bon. Autant pour moi, j'ai mal entendu. Il n'y a aucun souci, l'erreur est humaine. Chacun a droit à une deuxième chance, monsieur. Et on vous la donne aujourd'hui. Bon, monsieur Connor, vous êtes garant ou pas? J'ai besoin de clôturer cette affaire. On a d'autres choses à aller contrôler avec mon collègue. Vous voulez que je sois garant de lui? Donc une erreur, lui, je saute aussi? Je conduis jusqu'à 10. Si j'ai pas de réponse positive, monsieur est viré. 1. 2. Convainquez-moi de me porter garant de vous tout de suite. 3. Un mot. 4. 5. Je me porte garant, c'est bon. Tu veux quoi, sale racaille? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis pas une racaille, moi. Bah si, regarde, t'es en survêt. Non, j'avais les recrutements, là, c'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, tu te tiens qu'à moi, alors. Ouais, mais bon. Ok, mon ref. Tape là. Ok. Allez, vous changez. Mais je sais même pas, en fait, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Attendez juste, hop. Je vais lâcher un pipi.
Attendez, je vais aller pisser sur le sur la serviette du commandant. Oh. Oui. Mais allez, go! Ah oui, bah vas-y, après vous, je vous suis. Heureusement, il a pas vu le pipi par terre. Heureusement, il a pas vu le pipi par terre. Oui. Oui, allez-y. Ok, d'accord. Merci. Heureusement, il a pas vu le pipi par terre. Je suis éclaté. Ouais, il va arriver, jamais. Tu vas monter. Ouais, ça sert à moi, ça. Monte. On va sur le bras, quoi, mec. Qu'est-ce y'a plus de place ou quoi? Si, y'en a une, vas-y, monte. À l'arrière, à l'arrière. Et qui m'a balayé, là? T'as montré ce quoi, mon pilote. Tu t'es balayé tout seul. Eh, d'accord. Je suis à côté de Mouloud, comment il pue sa mère, il pue. Voilà, il sent le skin fils, dis-lui. Oh, il a fait avec les orteils à sa grand-mère. Il sent la kefta, j'ai juré. Tu pues juste le seum. Qui ça? Boire un verre. J'aimerais bien boire un verre avec toi. Là maintenant? Ouais, tu sais, il est quoi? Il est 1h du bar. Si tu fais rien, je te pick up et on va boire un petit coup. Tu me piques. C'est un fou, vas-y. Oh, t'acceptes? Vas-y, vas-y. Let's go, let's go. Ah bah ouais, surprise, dis donc. Donc moi je viens de voir en costard et toi t'es habillé comme à la plage. Bah je t'ai dit, je me suis pas changé du coup. Ça fait rien, ça fait rien. Et c'est qui ce clochard là? C'est pas Pardon? gentil ça. T'es qui exactement? Hey, je suis un collègue de boulot. Ah bah va dans la petite cabine là-bas, il y a un peu de paperasse à faire, t'inquiète pas. C'est pas gentil Attendez. ça, monsieur Ouais, le vous me pilote. parlez mal et en plus vous me dites de partir, je comprends pas trop. Ok, Vous savez que vous êtes excusez-moi, au on va tout mécano là. recommencer, on part sur des bonnes bases. S'il vous plaît, allez là-bas, taillez-vous s'il vous plaît. Sinon, mon chauffeur va devoir agir et Non, pas de j'ai pas menace envie par d'en contre. venir là. Ouais, on va pas faire de menace, je vais le faire parce que je veux pas créer de problème à Rosa, mais tranquille. Vas-y, vas-y, Mais frérot. Billy, c'est ça, hein? Vas-y, je C'est retiens. ça, c'est ça. Il va faire quoi le frérot? Ramener son gang de clamolette, il est fou lui. Bon, Rosa, on peut aller Je travaille parler. ici. Oui, écoutez, ce matin j'ai pu gérer mes trois autres firmes Il y a multinationales. 6 cylindres de chaque côté. J'ai mon usine de coton en Inde qui continue sans cesse d'accroître. Et je suis en bénéfice total de environ 800 millions de dollars net d'imposition. D'accord, C'est je vais pas mentir, l'argent ça m'impressionne pas trop, hein. Ah, excuse-moi Rosa, j'avais oublié que t'étais là. Non, je parlais juste de mon business avec le chauffeur, t'inquiète pas. Ok. Pascal, t'as dépensé ou quoi mon gars? Écoute le chauffeur quand il parle avant que je te casse tes dents. Pardon? Désolé, je suis un peu agressif de temps en temps, c'est mon côté arabe with attitude. D'accord. Bon, Rosa, admire-moi cette vue là, ok? Ouais. T'en penses quoi? C'est Mais j'irai vers le coiffeur. C'est beau, hein? beau? Ouais. Ok, Mercedes, quel est le programme après le coiffeur, s'il vous plaît? Comment? Répétez? Ok, Mercedes, quel est le programme après le coiffeur, s'il vous plaît? Le cinéma ouvre. Que diriez-vous d'une petite séance? Une séance de quoi? Le film que vous voudriez. Excellent. Rosa, on va aller voir un petit film d'horreur, mais t'inquiète pas, il a interdit au moins de 16 ans seulement. Souhaitez-vous boire quelque chose? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais boire de la limonade et à Rosa, vous lui servez un Malibu. Venez donc, je vais vous servir. Et ensuite, on ira dans la chambre. Très bien. Rosa, une petite Que partie voulez-vous de boire? bouillard?
De billard, pardon. De bouillard. De bouillard, il a voulu dire. Monsieur Billy. Oui, monsieur. Votre tondeuse à 100 euros qui ne marche même pas. Comment je dois-je faire maintenant? Écoutez, je suis en compagnie de ma maîtresse. Ne m'embarrassez pas devant elle, s'il vous plaît. De vous quoi? Vous me devez 600 000 euros. Le virement n'a pas été effectué. Oh là là, je vous fais ça immédiatement. Vous devez des sous à toute la ville, monsieur Bilou. Merci d'accélérer. Hop, hop, hop. Je vous envoie ça de suite. Eh bien, merci bien. Je vais essayer d'en... Siri de l'iPad s'est activé dans la maison. Il veut juste te baiser, princesse. Fais attention. Google Home, ok, Siri, désactive-toi. Je me mets en off. Rosa va niquer toutes tes morts. Ah, super. Désolé, Rosa, pour ce désagrément. C'est Siri qui en fait des siennes. Totalement buggé. Tenez, mademoiselle, très chère. Comment on peut faire des bisous là en fait? Ah, je sais. J'ai dit comment on peut tenir debout en fait. J'ai un peu mal aux jambes. Ah. Oui, je me disais, t'avais mal au dos tout ça. T'es si belle là, tu es le mec. Merci. Rosa, oui. Écoute, je vais pas passer par quatre chemins. Je t'ai fait visiter ma maison. Je t'ai emmené sur la colline de. La colline Tarzebi tout à l'heure. Là, je porte mes couilles à deux mains et je te le demande, veux-tu sortir avec moi? C'est tôt un peu, non? Non, c'est pas tôt. Viens, on baise. Quoi, t'as toussé là? Ouais. Pardon. Écoute, Rosa. Fais-moi un bisou pour voir. Un quoi? Essaye de me faire un bisou, t'inquiète, je me recule au bon moment, t'inquiète. Ouais. Regarde, je suis loin, t'as vu, tu peux essayer de faire un bisou. Mais pourquoi je ferais un bisou? Non, mais fais-le dans le vide, t'inquiète, c'est pour voir comment ça fait. Juste pour voir comment ça fait. Dans le vide? Ouais, tu fais un bisou et t'inquiète, ça va pas me toucher, je suis trop loin de toi en fait. Allez, enfant. Toc, toc, toc. Ah, ça toque. Oui. Toc, toc, toc. Grand-mère, elle est en forme, il va la débouter. Oui. Ah non, c'est qui la suite? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh putain! Mais c'est qui? C'est votre maison ici? Ouais, c'est ma maison. Bah, vous connaissiez sûrement ce passage secret. Allez, hein, allons-y. Wesh! Vu que c'est votre maison, n'est-ce pas, monsieur? Oui, bien sûr. Vous connaissiez sûrement cet endroit, vu que c'est votre maison, n'est-ce pas? Oui, j'y vais tous les jours. Ouais. Allez, asseyez-vous sur la chaise, occupez-vous. Je vais vous montrer moi aussi à votre maison. Mais dis donc, vous taisez-vous. C'est toi qui vas t'asseoir sur la chaise, fils de pute. Assieds-toi sur la chaise, on va. Reviens, Billy, reviens. Assieds-toi sur la chaise, on va te niquer ta grand-mère, la reine des putes. Pardon, non, pardon. Oh, assieds-toi sur la chaise. Viens, Billy, viens. Oh merde, viens, pardon. Viens, on va lui niquer sa mère. Assieds-toi sur la chaise, Anschlag. Assieds-toi. Voilà, hein. Tu crois que c'est l'habillé qui fait le moine parce que t'es bien habillé. Fais-moi un bisou. Quoi? J'ai dit, je vais poser le genou. J'ai mal aux jambes. Ah ok. Suis-moi, Rosa. Je vais te montrer. Je vais te montrer mon trou secret. Ton quoi? Mon trou secret. Enfin ma cachette quoi. Viens là. Ah ok. Jubilé, vous êtes sûr? Je suis sûr. C'est une personne de confiance. Regardez-moi ce fiac. Super. Non, j'ai dit, t'es une personne de confiance, regardez-moi comment elle claque. Comment t'es vraiment. Ah, ouais. T'es pimpante en fait. C'est bien, monsieur Billy, yes. Entrez. Venez, Rosa, suivez-moi. J'écoute. Je t'ai fait faire toute la visite guidée de la maison. Et maintenant, regarde. Soit tu m'embrasses, soit je te mets ton bras dans le truc derrière et je tourne la molette. Tu casses le bras, genre. Ouais, mais t'inquiète, je pourrais le réparer en t'emmenant à l'hôpital après. Mais fais vite. Fais de speed. Je dois faire quoi? Tu dois te mettre accroupi pour commencer. Quoi? T'inquiète. Tiens, je me retourne même carrément. Là, je vais pas me mettre accroupi, toi. Mais si, je me suis retourné. Vas-y, mets-toi accroupi. Non, je vais pas me mettre accroupi.
Je voulais qu'elle me fasse un rim job. Oui. Ok, ok, attends. Vas-y. Je vais te niquer Rosa par contre. J'ai eu le deuxième essai, c'est la mif. Ah, deuxième essai, c'est la mif, c'est la mif. Mais c'est... Allez, pose-moi une autre question. Avant que je t'encule, t'es mort. C'est quoi? Avant que je te tase et que je te refroidisse. Je t'ai dit, pose-moi une deuxième question avant que j'essuie ma morve. J'ai la morve qui coule là, de ouf. Ah, d'accord. Les gars, elle va craquer. Elle va craquer, les gars. Me fais pas gaffe à ce qu'il y a écrit, s'il te plaît, Rosa. Ce qu'il y a quoi? Ah, Rosa, putain. Oh non. Regarde pas, regarde pas, regarde pas, regarde pas. Regarde pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais qu'est-ce que... Ça va? Rosa, tu vas bien? Bah... Oh! Oh! Elle m'a oublié ce qui s'est passé! Mets-lui dans le cul, Billy! T'attends quoi? T'es mort! T'es là, tu t'es fait S'il vous plaît, mes gardes, mes gentlemen là, sortez d'ici, mes gentlemen! Non, non, tu peux pas dire que c'était un rêve prémonitaire et que là, tu t'es réveillé! Vas-y, vas-y. Rosa, tu vas bien? Tu t'es évanoui? Écoute, Rosa, avant que tu t'évanouisses, on était en train de faire l'amour, toi et moi! Non, je crois pas, je suis encore habillé! Si, si, mais t'as aucun souvenir de tout ça en fait, tu viens d'être tasé en fait, sans faire exprès! Elle est passée où, Rosa? Je sais pas, elle est allée où, cette carbette, là? Putain, vas-y, cassez-vous, vous deux, là, cassez-vous. Eh ouais, tu sais, mais c'est toi, tu fais chauffer. Vous avez niqué mon cou, là, j'étais en train de la ken bien comme il faut dans la pièce, là. Oh, déjà quand... Et quand je fais ça? T'es pas censé voir, fils de pute, tu prends juste dans ta tête, genre. Vas-y, vas-y. Et comment ça, fils de pute? C'est moi, je te paye, oublie jamais ça. Va niquer, t'es mort, tu m'as jamais donné un euro, là. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Oh, y'a plus la meuf là, je vais t'enculer, Billy. Y'a plus la gadi, je vais te séquestrer, je vais te la mettre dans les couilles, je te ferai une affaire, Théo. Je sais pas. Je sais pas, frère. Elle est dans la maison, venez, 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 faut qu'on la saute, faut qu'on la saute. Ouais. Allô, Rosa? Oui. T'es passé où? Je suis parti. Mais pourquoi t'es parti? Parti. Rosa, pourquoi t'es parti? C'est moi, sale fils de pute. En plus, tu crois que c'est Rosa, là, comme ta mère? Espèce de sale Hawaii, débile de merde. Voilà, t'as essayé de la violer dans un sous-sol de... Mais voilà, t'avais la voix de Rosa. Elle est avec toi, dis-moi tout. Non, voilà, et voilà, je suis devant la maison, sort, et y'a personne. Ah ça, tu crois que c'est... Putain, je me suis trompé de numéro. Voilà, t'es en train de parler avec moi, espèce de gang. On s'est jamais vu, toi, moi. C'était un rêve prémonitaire ou je sais pas quoi. T'as fait un rêve prémonitaire? Je crois pas, non. Comment tu savais que j'allais t'appeler? Bref. Bah écoute, j'étais juré incroyable talent et tu me plais bien, ça te dirait un rendez-vous avec moi? Là, je vais pas te mentir, je suis occupé, hein. T'es occupé? Tu fais quoi? Ça fout quoi? Je vais bosser. Ah, tu vas bosser. Dis-moi, tu travailles où? Au truc moto? Au truc auto? Non. Ah, bah dis-moi, tu travailles où alors? Dis-lui, dis-lui que c'est pauvre, tu travailles à la police comme ça, elle croit pas que c'est toi. Écoute, je travaille à la police. On s'est jamais vu, toi et moi. Ça veut dire que j'aimerais bien te voir pour la première fois. Oui, quand je serai pas occupé, du coup, c'est ça. Et je vois que t'es un peu gêné pour me dire ton métier. Si t'es prostituée, sache qu'il n'y a aucune gêne entre toi et moi. Tu peux me le dire. Prostituée. Je t'ai vu aux vitrines devant l'unicorn. Bah, c'est une soirée, il y a une soirée là-bas. Ah, d'accord. Vas-y, ramène-toi, s'il te plaît, au commissariat. T'inquiète, je te fais visiter la prison. La prison? Les cellules, tu m'as compris. Je veux vraiment que je te nique, toi. C'est ici, le... Pardon? Ah, je suis à Unicorn, viens Unicorn. Dis-lui, il y a ton père le bodybuilder à gauche en plus, il t'attend. En plus, je crois qu'il y a, comme qui dirait, ton oncle, il me semble, à Unicorn. Le bodybuilder. T'as dit quoi, Rosa? J'ai plein de mon oncle en ville. Ah, t'as plein d'oncles en ville? Bah, c'est le bodybuilder, il est dans la vitrine en bas à gauche. Il ressemble à... Rosa, Rosa, Rosa.
Ouais, allô. On t'a déjà dit t'es belle comme une rose? Ouais, quelquefois. Non, je rigole, t'es vraiment juste bonne par contre. Ah, super. Allez, bâtard. Qui a dit que c'était chaud? On est venu, on va la voir. Eh non, ça c'est Shakiri, ça. Allo, 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 Rosa, Rosa, Rosa. Bon, toi tu joues avec mes nerfs, ouais. Viens, c'est voilà. Pas Rosa là. Elle a mis voilà le haut, elle croit c'est la Saint-Patrick. Vas-y, viens, viens. Toi tu joues avec mes nerfs. Ça va, t'as les chicots à Ronaldinho. Reviens, Billy. Gnag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 n